Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Loisirs de Nanou. Bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va. Juste, je vous fais ce petit unboxing vite, 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 vite de chez Action. Alors je sais qu'on les voit partout, beaucoup de youtubeuses les ont pris. Alors moi, je les attendais depuis longtemps. Surtout la cheminée parce que j'arrivais pas à la voir. Et j'ai mes copines, dont ma copine Cécile de la chaîne Kiko et le Diamond Painting, si tu passes par là. Je crois qu'elle a dû faire, je sais pas combien d'allers-retours, je sais pas combien d'actions pour essayer de me la trouver. Elle n'a pas réussi. Cause perdue, ma pauvre Cécile. Mais qu'est-ce que t'es un amour d'avoir été faire tous ces magasins pour moi. Et puis, bah, le bonhomme beneige, bah, c'est aussi la faute de Cécile, parce qu'à force de me dire, oh, elle est trop bien, m'envoyer des photos, elle m'a dit, tu verrais la qualité, c'est trop génial. Du coup, je me suis dit, bon, bah, Nat, si t'avais su, t'aurais pris le bonhomme de neige. Sauf que quand elle est allée au magasin, je ne voulais pas le bonhomme de neige, et elle l'avait vu. Et après, quand elle y est retournée, il n'y avait plus de bonhomme de neige. Donc voilà, alors, j'ai eu deux petites âmes charitables et toutes gentilles qui avaient pitié de moi, et quand elles l'ont vu, elles ont dit c'est bon, on l'a. Alors je remercie d'abord Zaz de la chaîne Zaz, ses diamants et compagnie, pour la petite cheminée qui me l'a trouvée. Donc trop trop cool, ma petite Zaz, depuis le temps que je l'attendais. Ouais, c'est vrai, j'ai enfin ma cheminée. Et Mumu, merci Muriel, pour le bonhomme de neige qui Muriel qui habite dans les Landes, pas très loin où je suis en vacances. Et qui a une gentillesse d'aller faire les magasins Action, qui en achète plusieurs à chaque fois, et qui met un message sur le groupe de Patricia, Pat69, Fimo. Et du coup, quand elle les prend, bah, elle les propose à ceux qui veulent. Donc Muriel, Isabelle, merci beaucoup les filles, c'est très gentil. Alors maintenant, on va les ouvrir, ok? Alors, on va d'abord ouvrir le bonhomme de neige, parce qu'il est devant moi. Alors, on va essayer de pas l'abîmer. Alors, comme tous les autres, hein, c'est des diamants 40 par 30. Oh, des diamants, n'importe quoi, Nathalie. Des toiles 40 par 30. Au niveau des diamants, je crois qu'il y a la même quantité. Et alors, en fonction de certains, il y a des AB. Donc là, je n'ai pas de caractéristiques bien spécifiques. Donc, il n'y a pas de diamants qui brillent. Il n'y a rien de spécifique sur ça, donc on va ouvrir. En tout cas, comme d'habitude, bah, toujours bien emballé, hein. La toile, elle a voyagé, et elle a l'air d'être nickel. Donc voilà. Bon, allez, suspense. Je mets à l'envers. Non, je suis gentille. Je vous la montre. Voilà. Bah écoutez, elle n'a pas l'air abîmée, hein. Il n'y a pas de rivière, il y a juste la pliure de la toile, mais bon, ça colle très très bien. Donc, impeccable. Donc, c'est un 32 par 42 au niveau de la toile. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très très, bah, très Noël, très hiver. Donc, on a un joli là. Beau, beau, beau dégradé sur le bonhomme de neige, je l'ai vu, Cécile l'a fait et oh, il est magnifique. On a du vert, du rouge, ben voilà quoi, c'est l'hiver, c'est Noël. Alors toujours la fameuse barquette, la pane-colle et le stylet de base. Voilà. Alors on va essayer de trouver l'entrée de ce sac. Voilà. Alors c'est toujours des diamants ronds. Je vais pas regarder sur la feuille si on avait. Alors, on va nous mettre une petite feuille qui explique pour les débutants comment faire du diamond painting, donc en plusieurs langues. Donc, je suppose qu'ils doivent les mettre dans différents magasins. Donc, le petit dessin qui est là, et on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26. 26 couleurs. Ou 26, ouais, parce que je savais bien, il y a des diamants spéciaux. Là, on a des petites boules comme on a eu sur le kit que je suis en train de faire des étoiles. Alors, on a du blanc, du vert. Alors, je regarde en même temps si, alors, oui, ça c'est du AB, le 9.
Alors, est-ce qu'ils mettent sur leur document? Non. Ah non, c'est pas le 9, c'est du 6. 6. Alors, ce qui est bien, c'est que... Ah non, c'est même pas du 6. Ah ouais, ok. Donc, je pense que... Voilà, donc là, on a des... Oh, je vais y arriver. Des diamants AB, là, sur les trois derniers. Et les deux du bout, c'est des diamants spéciaux. Donc, je pense, si tout va bien, on a trois diamants AB, hein, si j'ai bien pigé. Donc, on a du 666 en AB. On va faire regarder. Alors, ce qui est vachement bien, c'est que sur les sachets, ils mettent les références. Mais alors, par contre, ils ne les mettent pas dans le document qu'ils mettent. C'est un peu dommage. Bon. C'est pas très grave. On les mettra sur nos boîtes. Alors, j'ai dit des bêtises. Bah, il y a l'air que d'avoir un seul. Hein. Ou alors, j'ai pas mis mes super lunettes. Bah non, j'ai dit des bêtises. Donc, avec toutes mes excuses. Ah, mais si! Oh là là, Nat, t'avais pas bien vu. Donc, le rouge, c'est un diamant spécial. Donc, c'est un 606. Ensuite, le R. Donc, le vert, c'est bien ça. C'est aussi un AB en 907. Et par contre, ouais, ils nous ont mis le blanc. Donc, le blanc qui est le S. Donc, lui, il n'a pas l'air d'être en AB. Non, il n'est pas en AB. Voilà. Et après, on a des diamants spéciaux. On va y arriver. Donc, on a deux AB. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous parle? Nous, on débute et on ne sait pas. Donc, pour mes tous mes petits débutants, pour mes petits abonnés, pour mes jeunes abonnés. Enfin, je vous le remontre. Hein. Les diamants AB, c'est des diamants qui ont un effet de surbrillant sur le dessus du diamant. Donc, voilà, ça rend un côté brillant et super joli. Et sur l'étoile de Noël, ben voilà, c'est tip top. Donc, ça, c'est fait pour la toile Bonhomme de Neige. Maintenant, on va regarder la toile Cheminée. La fameuse toile que j'attendais depuis très longtemps. Alors, hop. Désolée pour le bruit. Alors... 2, 4, 5, 10, 15, 20. Il y a 27 couleurs. Alors, je vous montre le modèle. Vous allez le voir ouvert. Donc, c'est le petit Père Noël qui écrit, qui répond au courrier des enfants avec une jolie cheminée et un sapin derrière. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'image, le Père Noël... niveau du visage, c'est pas top au niveau des pixels. Mais bon, après, si vous recherchez une super image, vous allez pas vous acheter un modèle de chez Action à 5 euros, quoi. Donc, à un moment ou à un autre, faut juste réfléchir. Donc, voilà, vous entendez des filles qui râlent. Ah, ouais, mais c'est moche au niveau image. Ben, l'achetez pas. Personne ne vous force à l'acheter. Voilà, vous savez que vous allez le payer 5 euros. C'est un modèle qui vient de chez Action. Vous voulez de la qualité d'âge, vous voulez de la qualité Oraloa, bah, il faut mettre le prix. Hein. Voilà. Bon, ça, c'était mon côté encore coup de gueule. Donc, voilà la toile. Alors, attendez, je vais essayer de... Ouais, ouais c'est un peu mieux comme ça. Voilà. Donc, elle est nickel aussi. Pas de rivière, rien. Bon, elle colle très, très bien. Je ne vous ai pas montré juste avant, mais pour vous montrer la qualité des symboles... c'est super bien retranscrit. Il n'y a pas de souci. Je vous dis, j'ai déjà démarré une toile et franchement, c'est tip top. Alors, on va regarder un petit peu les diamants. Je n'ai pas regardé sur la boîte s'il y avait un effet fluo, mais je ne crois pas sur celui-là. Non. Alors, toujours l'explication avec la belle image et les symboles où il n'y a pas marqué la référence. Bon, je vais essayer de ne pas me tromper sur les AB cette fois. Pas comme tout à l'heure où j'ai dit des bêtises. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt sur les fins de toile. Donc, alors au niveau des couleurs, c'est à peu près les mêmes couleurs que la toile qu'on a eu avant Bonhomme de Neige. Hein, avec un peu plus de rouge. Donc voilà. On a encore donc des diamants spéciaux. On a du blanc. Donc en AB, toujours le joli vert, hein, le 907. Oh, moi qui adore le vert, c'est génial. Alors ensuite, on a... Ah, génial!
Le P. Eh bien, celui-là aussi, c'est un AB. Donc, on a deux AB. 307 AB. Donc, c'est un jaune. Donc, je pense qu'à mon avis, ouais, il est mis là-haut dans le sapin. Vu la quantité, il y en a quelques-unes. Donc, après, j'en vois pas d'autres. Donc, du marron, du rouge, du jaune orangé, de l'orange, du vert sapin, du rouge Noël, du rouge Bordeaux. Non, ben, il y a bien deux AB. Ah, par contre, ouais, il y a un peu plus de couleurs que l'autre d'avant. Voilà, toujours des diamants ronds. Voilà, toujours mis dans les mêmes petits sachets. On n'aura plus que... Et moi, je fais mon bazar. Le bureau devient trop petit. Alors, maintenant, j'ai un petit... On va faire un petit vote. Comme je vous ai dit sur une de mes vidéos il y a quelques jours, hein, je ne sais plus quand, Morgane de la chaîne Cateloup, elle fait un petit défi de Noël avec les toiles Action. Alors, moi, je vais faire une de ces toiles, mais comme je ne sais pas choisir, eh ben, je vais vous demander de choisir pour moi. Et celle qui aura plus de votes, eh ben, c'est celle que je vais faire pour le défi de Morgane. Voilà, je trouvais bien sympa. Qu'on partage ça ensemble. Alors du coup, ben, vous allez me dire si vous préférez la toile 1, la cheminée de Noël, ou si vous aimiez que je fasse la toile numéro 2, bonhomme des neiges. Sachez que je les ferai, hein. Mais pour le défi, c'est vous qui allez me dire laquelle faire. Je trouve ça sympa. Alors si vous voulez aller voir, je vous mettrai de nouveau les liens de la chaîne de Morgane. Donc le défi, eh ben, on fait une toile action dans tout le mois de novembre. Et comme il y a 30 jours, on divise soit la toile en 30 petites cases, en sachant que vous faites une case par jour. Sinon, vous pouvez faire 7, 14. Ouais, j'ai des conneries. Bah, vous faites 30 cases. Et peu importe si vous faites une case, deux cases, trois cases dans une journée ou pas. Le principal, c'est qu'au bout des 7 jours, on fasse un point sur ce que vous avez fait. Voilà. Donc moi, je ferai un point au bout de 7 jours. Donc on démarre le 1er novembre. On continuera le 7 novembre. Et qu'est-ce qu'il y a le 7 novembre? Ben, c'est mon anniversaire. Donc je vous ferai une petite vidéo le jour de mon anniversaire pour vous dire où j'en suis. Et puis faire un petit point. Et puis ben, Morgane nous a demandé de faire un point avec une petite vidéo tous les 7 jours. Donc voilà, on fera ça. Alors, si ça vous dit, ça vous engage à rien. Si vous avez une toile action, ben vous prenez celle que vous voulez. Vous faites 30 petits carrés et on démarre que le 1er novembre. Voilà, il faut que ce soit terminé le 30 novembre. Voilà, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises, Morgane. De toute façon, tu vas passer par là, donc tu viendras me le dire. Alors, on fait comme dans les émissions de télé-réalité. Pour la toile numéro 1, vous votez le numéro 1. C'est-à-dire la toile cheminée de Noël. Et pour la numéro 2, le petit village avec le bonhomme de neige, c'est le 2. Ou le 2. Voilà. Bon, allez, c'est mon petit délire. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo rigolote action vous a plu. Je remercie encore beaucoup Isa et Muriel d'avoir penser à moi. Heureusement que j'ai des copines tip-top parce que moi ici, action, c'est zéro. Voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, toujours un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour savoir quelle toile vous avez décidé. Alors à vos votes. Ciao, ciao!